Dans le sud du Sénégal vivent des communautés et des groupes ethno-linguistiques qui, au-delà des différences, partagent une même culture basée sur la production et la consommation de riz traditionnel. Pour demander la bénédiction des dieux, un rituel de sacrifice est toujours demandé avant la descente des populations dans les rizières, ce qui est une pratique bien présente depuis plusieurs décennies en Afrique de l'Ouest. Les communautés Diola du sud, le riz symbolise beaucoup de choses. Parce que le riz symbolise la richesse, mais il force aussi le respect de la société quand on est un grand producteur de riz. C'est aussi la céréale de l'hospitalité, parce que c'est celle qu'on prépare aux hôtes de marque. Et c'est également la céréale des grandes cérémonies qui marquent la vie de l'homme, en particulier l'initiation. Pourquoi le riz traditionnel? Parce que quand on fait les offrandes avec nos cérémonies, c'est Etoral ou Efegor qu'on utilise. Pourquoi? C'est parce que c'est notre semence qui nous a été léguée par nos parents. En Casamance, le riz est un élément de base de la consommation quotidienne des communautés, un symbole de richesse et aussi un élément indispensable à la préparation de toute grande cérémonie culturelle et cultuelle. En pays bandial, chaque étape du processus de production de riz est marquée par l'organisation d'un rituel. C'est ainsi que chaque année, une cérémonie pour la bénédiction des semences est organisée à Séléké Bakel. Toute cérémonie a sa profondeur. Il y a des cérémonies de demande de pluie. Quand il ne pleut pas, par exemple, 3 ou 2 semaines, quand les populations s'inquiètent, elles demandent des cérémonies. Elles font des cérémonies de demande de pluie auprès du roi. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour que demain, qu'on puisse quand même, nos jeunes frères, nos enfants, puissent savoir d'où nous venons. Nous avons perdu les repères. En faisant ces cérémonies, on se ressource. La peine de Séléké à Bakel. Que ceux qui vont nous entendre puissent aujourd'hui dire « Ah, ce que nous avons laissé, les semences paysannes-là, sont très importantes. » L'agriculture est, en Afrique noire, un patrimoine économique et culturel qui obéit à des règles de production, de stockage, de conservation et de gestion qui se transmettent de génération en génération, avec actuellement plus de responsabilisation des femmes et des jeunes dans la conservation et la gestion des semences. Notre Casamance est très riche en culture. On a nos valeurs. Tout Casacé sait que la culture du riz est portée par les femmes. La mission de Nous sommes la solution, c'est la reconstitution du capital semencier. Les semences que nos ancêtres nous ont léguées, on doit tout faire pour que ces semences ne disparaissent pas. Nous ne pouvons pas abandonner complètement les variétés locales parce qu'elles sont une partie de notre culture, une partie de notre passé, mais également notre avenir. Les longues années de sécheresse et les changements climatiques ont bouleversé les habitudes culturelles des populations. De plus en plus de semences dites hâtives et adaptées à la physionomie de l'hivernage sont introduites un peu partout. Les deux variétés-là, c'est le riz à longue conservation. Pourquoi ? Etoural et Efegor, vous pouvez le garder 10 ans, il est consommable. Alors que Essoboro, à 5 ans, il est vieux. Des acteurs avertis et les communautés encore ancrées dans les réalités traditionnelles promeuvent toujours les variétés de la région et la consommation locale. Pour eux, les champs de cases ont toujours assuré la santé et la souveraineté alimentaire des populations africaines. Les populations y ont domestiqué et cultivé l'espèce africaine du riz qu'on appelle Oryza glaberima, qui présente des qualités exceptionnelles comparées au riz asiatique qu'on appelle Oryza sativa. Le riz africain présente une plus grande résilience par rapport à la variabilité climatique, notamment les inondations, les sécheresses qui sont récurrentes actuellement. Il est aussi plus résistant au stress biotique. Il supporte plus la concurrence avec les adventices, mais aussi supporte, disons, fait face mieux aux attaques de ravageurs. Il tâle beaucoup
Et par-dessus tout, on peut dire que le riz africain expose moins aux maladies chroniques telles que le diabète. Le combat pour le retour à l'agroécologie et la promotion d'une agriculture durable est porté par des mouvements et des organisations de la société civile. Le défi est le plaidoyer pour rallier plus de citoyens à leur cause.